Salut à tous et toutes et bienvenue sur frappstesjeux.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de L.A. Noire sur Xbox 360. Et nous sommes en train encore une fois de nous occuper des missions de Jack Kelso, hein, l'émission finale du jeu. Hein, nous sommes à l'avant-dernière pour être précis, qui est intitulée Sur Invitation. Donc précédemment nous avions visité l'appartement de Curtis Benson et California Fire and Life. Et là nous sommes aux archives municipales où nous avions trouvé je sais pas si c'est le cadastre ou je ne sais plus très bien comment on appelle ça, mais bref. Les archives de Suburban, bref, du fond de je sais plus comment ça s'appelle, fond de quelque chose, de renouvellement urbain, un truc comme ça, je sais plus, j'ai oublié le titre, ça y est, c'est moi et la mémoire des noms, c'est une catastrophe. Bref, et là, on s'apprêtait à activer, entre guillemets. 4 degrees, 4 minutes, 29 seconds north, 118 degrees. 17 minutes, 58 seconds west. Voilà, donc faut que j'aille jusqu'à 58. Ici. Avec le joystick droit. Voilà, j'y suis. Et après, est-ce que c'était 29 ou 20? C'était 28, voilà. The lot number is 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least a million lot numbers in the Los Angeles area. The registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here. Use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Ok, c'est parti. C'est compliqué hein, comme système. Hein. 1876988 divided by 90,000. Yes. Voilà, c'est pour ça que je vous ai noté ce type d'informations sur du papier. Parce que moi, vous êtes plus tranquille pour les retaper après. Hein. Ça vous évite de devoir retourner sur votre livret d'indices, etc. Voilà, et on divise ça par 90 000. 1,876,988 divided by 90,000. Il vous le redit en lettres au cas où. Alors sachez qu'en fait, il n'y a pas de bouton égal. Ce qui m'a beaucoup surpris au départ, j'ai cherché, j'ai appuyé sur C en me disant mais C normalement c'est pour effacer, c'est clear ou clean, je sais jamais ça. Je crois que c'est clear en fait que cela veut dire le C. J'avais beau chercher, je trouvais pas le bouton. Et en fait, c'est la petite manette dorée qu'il y a sur le côté. 1, 8, 20. 20. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle. You are in business. You do this every day? C'est vrai que ça paraît un peu long. Hein. Donc voilà, nous avons eu l'information que nous souhaitions. Il vous a dit en fait que la lettre A, c'était la lettre, enfin ça correspondait au chiffre 0, enfin au nombre 0. Nous on cherche le 20, donc dans la logique, on cherche en réalité le numéro 21. Enfin voilà, c'est ça. Et la lettre 21, c'est la lettre U, si mes souvenirs sont bons. Hein, donc on va pouvoir aller là, retirer le cadastre. Let's see what the site is worth. Voir le tout et trouver notre bon numéro qui est, je le rappelle, le 1 876 988. 1,876,988. The book value is 350. With the new home in place, the improved value of the property is 3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Bisous. Know why I pumped for the caddy? The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Dans le nez, mon ami. Donc là, on recharge. Si possible. Voilà, c'était juste pour ça en fait. Let's see if I can't put one right between your eyes. How long do you think you can hold out?
Allez, mon ami, montre-toi. Voilà, ça c'est fait. Suivant. Donc, mon cher ami qui nous en avait fait voir de toutes les couleurs. Punaise. Il aura fallu jouer de la cartouche, hein. Il en aura mangé du pruneau celui-là. Je crois qu'il est rassasié jusqu'à la fin de ses jours. J'ai l'impression que le micro était beaucoup trop près de ma bouche et je suis désolé s'il y a eu des pops. Voilà, c'est quand je l'ai replacé tout à l'heure sur ma tête, hein, après ma conversation Skype. I need a word, Courtney. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor? The district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's gonna help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits. Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Pas cool, pas cool, hein. On n'est même pas arrivé qu'il y a déjà quelqu'un qui sonne à notre... Et en plus, on ouvre la porte sans mettre la clé. On décroche rapidement. Allô? Jack Calso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Calso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. Come? I might. Good night, Mr. Monroe. T'inquiète pas, je vais t'amener le sable, mon gros nounours. Tu dormiras mieux que Nicolas et Papronel. Donc c'est reparti, en voiture Simone. Non, ça c'est pas ma voiture, c'est pas ma voiture, je la veux pas, moi. Je veux pas de cette voiture, moi, je veux de l'autre qui est à côté, la mienne, la vraie. Voilà. J'ai une de ces faim, il est 21h, j'ai pas encore mangé de la journée, là.
ça passe, nickel. Donc voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on passe beaucoup de temps à se balader dans ces missions. J'ai bien cru que j'allais perdre le contrôle du véhicule. Qui en a lâché sa valise en voulant arriver. Je pense que c'est par là. On va voir ça tout de suite. Carte. Voilà, c'est mieux de passer par ici apparemment. Surtout qu'on est déjà venu par là pour récupérer des bobines et autres éléments du style. Et nous voilà arrivés. Vous les reconnaissez, enfin du moins vous êtes oublié d'en reconnaître au moins un, c'est Félix Alvaro, qui est juste en arrière-plan. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pele Lou, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. This hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. Là, je me demande s'il n'y en a pas un qui meurt. Parce que moi, à chaque fois que j'ai fait la... On ne le voit pas, hein. C'est pour ça que je vous le dis, vous n'en saurez rien. Pour le moment, ils sont trois. Il faut éviter qu'il y en ait un qui meure bêtement. Ah, ils l'ont eu lui, c'est bon. Il reste celui qui est en face là. Normalement il est planqué derrière la statue là dans le coin. Ils l'ont eu, nickel. Il va falloir passer au-dessus. Ils l'ont eu aussi. On recharge et on se fait le dernier. Ouais, il y en a forcément d'autres hein, de l'autre côté aussi. Et voilà les suivants. En moins, et l'autre il est où? Il est plus par là. Bonne nuit. Ouais, j'ai gardé mes trois collègues. Nickel. Je pensais pas que ce serait aussi efficace. On va prendre une nouvelle arme. Alors là, conseil, on tape, on se planque. Voilà. Faire attention parce qu'on s'en prend facilement des balles dans ce niveau. Là, idem. Bah, allez, plante-toi mon ami. Mais... superbe. Ça c'est mal fait par contre.
Allez, bonne nuit aussi. On continue. Bonjour madame, je vous connais. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the cannon down? I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. Ah, j'ai peur parce qu'il y a mon micro qui est super mal. Désolé pour le start, hein, j'essaie de replacer un petit peu mon casque. Parce que j'ai l'impression que le micro se place super mal et j'ai peur qu'il y ait des pops en fait. Ou des crashs, appelez ça comme vous voulez. Monroe, where are you, damn it? Je sais que t'es quelque part. On est obligé de se bouger parce qu'il y en a un juste derrière là-bas. Mon chapeau! Rends-moi mon chapeau, voilà. Waouh, raté. Il est là-bas. Throw out the guns. That's it. Tant pis pour lui, j'avais plus de munitions de toute façon. Et l'autre, il est juste à gauche aussi. Ça ne traverse pas, il n'y a pas moyen. Waouh, j'aurais pu l'avoir là. Allez, vas-y, monte ta tête encore une fois, s'il te plaît. J'en ai besoin. Fais un effort. Tiens, décharge de balles. Non, mais oh. Et si c'est moi qui fais la loi? Avec mon arme à feu et mon bras ensanglanté. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver notre cher monsieur qui est juste là, je crois. Là, c'est sa salle de bain. Il a barricadé sa porte d'entrée en fait. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch. How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard. What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Hé, je t'avais dit que je t'amènerais le sable, mon ami. Alors, voyons voir. Tout d'abord, on va commencer par ce qu'il y a derrière, parce que nous avons un nouveau journal, ainsi que une photo. On va reconnaître la scène. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Non, pas envie. Et on va regarder le journal. Voilà, les fonds de rénovation suburbaine. J'arrive jamais à retenir ce nom. Promet de construire 10 000 nouvelles maisons. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down, please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them.
He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. No. Sheldon n'est plus. Donc là, vous avez un document pendant que notre monsieur se roule par terre là. Eh, hey, mais oh, tu pourrais tenir à carreau quand même. Tous les gens qui ont signé, qui ont vendu apparemment, sauf certains noms qui ne sont pas rayés. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Sawyer, Morelli. On va regarder un peu plus loin ce qu'il voulait regarder dans son coffre. Qu'est-ce qu'il voulait planquer? Des actions vides. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Ensuite, il y a ça, un petit carnet. That's a hell of a payroll. Tous les petits pots de vin à verser. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on avait le nom de notre ancien collègue, hein, Roy Earl. Et pour finir, un petit document qui est assez long à lire. Hein. Tu pourrais pas faire moins de bruit, toi, là-bas? Oh.
smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Et en plus, c'est Roy Earle qui l'a écrit, donc ce document n'était pas forcément juste, mais on peut s'imaginer que, effectivement, c'était le cas quand même. Et si vous avez tout vu? There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Home of patience. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker? You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Quel petit joueur, ce Monroe. Pourvu que ça passe. Yeah, baby. Enquêteur 5 étoiles. Pourquoi il me dit ça, lui? Terminer toutes les affaires du scénario avec une note de 5 étoiles. Eh ben, c'est nickel. Voilà. Ça en fait quand même des succès débloqués. Bon, il en reste encore quelques-uns. Ceci est un succès secret. Intervenez sur 20 délits, ça se fera après. Sanctionner tous les délits survenus dans la rue, ça se fera après aussi. Terminer le jeu à 100%, ça va se faire aussi normalement, on verra bien. Rouler sur plus de 194,7 miles, 314 km. Éliminer 30 criminels en leur tirant dans la tête, donc ça ce n'est pas encore fait. Tuer 100 criminels avec une arme à feu, tuer au moins un criminel avec chacune des armes à feu. Trouver et inspecter 95% de tous les indices. Utiliser 4 points d'intuition dans un interrogatoire avec un même suspect avec la bonne approche. Dépasser 47 000, éviter d'être à couvert ou incognito en suivant Candy, sauf au début ou lorsqu'elle vous recommencez. Candy. Je commence à avoir un doute là, je me suis loupé à ce moment là. Ça me dit quelque chose, Candy. Conduisez 40 véhicules différents, conduisez tous les véhicules de la ville. Voilà, donc, bon, vous savez comment avoir les différents succès. Hein. Je ne pense pas faire une vidéo pour tous les montrer, dans le sens où certains me demanderaient peut-être de refaire le jeu en partie. Bref, faudrait que je vois ça, mais à mon avis, j'arriverai pas à tous les montrer. Sauf en y passant pas mal de temps, quoi. Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. Missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to give up. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question.
He has been looking into Lou's case. All things that might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Rocker. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. Mais vois-tu, tiens? And grisly. Ouais, non, il ne voyait pas le sien. Je suis désolé, je pensais que j'avais quelques secondes pour placer cette mini-phrase, mais en fait, que dalle. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven. Next slide. Les costauds, monsieur. Punaise, il a emporté la dame. Ça se fait pas, ça, de prendre des dames comme ça chez les gens. C'est de l'irrespect total. Bref. Et l'introduction de la mission que l'on va commencer à voir, guerre intérieure, et la dernière mission du jeu. It's gotta be one of these places. Arsonist's a bug sprayer. It must have worked at one of these joints. Et voilà commence donc, enfin comment commence la toute dernière mission. Donc comme je vous laisse imaginer, c'est là qu'il va y avoir le grand dénouement final, logique, puisque c'est la dernière mission. Donc je suis bien pressé de voir ce qui va se passer, parce que oui, je ne sais pas non plus pour le moment, j'ai pas encore attaqué cette mission, hein, donc je vais la faire rapidement comme d'habitude, et puis je vous la montre dès que j'ai réussi à trouver toutes les solutions. Voilà, donc en ce qui nous concerne, on se retrouvera donc très bientôt pour la suite des événements. Encore une fois, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, et à ciao tout le monde, salut.